Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo maquillage où on va parler de la marque The Balm. Je vais vous faire un petit haul test. Je voulais pas faire une vidéo haul puis une vidéo test, donc je me suis dit que je les essaye avant de vous en parler pour que je puisse vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc si cette vidéo vous intéresse ou si vous aimez la marque The Balm, restez là car cette vidéo est faite pour vous. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est la touche de couleur pour joues et lèvres. En fait, c'est un produit qu'on peut mettre et sur les lèvres et sur les joues en termes de blush ou rouge à lèvres, quelque chose pour colorer les lèvres. C'est un produit en fait qui est très mystérieux pour moi car je n'ai pas encore totalement saisi son utilisation. Au niveau des lèvres, ça va, mais c'est vraiment quelque chose de très fin, quelque chose de très léger, quelque chose de nude. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça ne fait pas un rouge à lèvres rouge, flashy, enfin les choses que j'aime pas du tout. C'est quelque chose de vraiment très sobre. On voit que vous avez les lèvres colorées, limite ça fait couleur naturelle des lèvres, un peu plus relevée, et ça j'adore. Après, au niveau de... en utilisation blush, bah j'y arrive pas. J'ai essayé d'en mettre beaucoup, pas beaucoup. En fait, c'est que c'est tellement fluide, ça se voit pas assez. Donc je fais encore quelques tests sur ce produit. Mais sinon, j'en suis complètement conquise et je vous le recommande à 100%. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un crayon. Donc c'est un crayon pour les yeux, eyeliner pencil, de la teinte Bill, je crois, c'est ça la teinte. En tout cas, c'est un marron brun foncé. Et je l'adore, mais vraiment, ça a été des révélations. En fait, j'avais toujours un crayon noir ou un crayon blanc que je me mets dans la muqueuse. Et je me suis dit qu'un crayon brun, ça pouvait être tranché entre les deux. Du coup, ce crayon, j'ai pas hésité à le prendre parce qu'il m'intéressait vraiment. De plus, le fait que ce soit une mine rétractable, ça m'a encore plus conquise. Parce que le fait de tailler toujours le crayon, ça je déteste. Et là, si la mine n'est plus pointue, derrière, vous avez comme une sorte de mini taille crayon en fait, pour bien mettre la mine en pointue et pouvoir faire son eyeliner si besoin, ou alors pouvoir en mettre dans la muqueuse, et j'adore. Il est vraiment très gras, donc il glisse tout seul, il n'irrite pas l'œil, parce que des fois moi je pleure un peu avec le crayon, et celui-ci, il est vraiment génial. Je m'en suis déjà mis dans la muqueuse ou alors en eyeliner, et c'est génialissime. Il tient vraiment super longtemps. Le troisième produit dont je vais vous parler est un gloss. Donc c'est un gloss Pretty Smart. Il est en teinte assez nude en fait. Et j'adore, enfin moi je suis très dans le nude, dans le léger, dans le soft. J'aime bien les rouges à lèvres qui se voient, qui sont pétants, mais seulement pour des soirées, des occasions, ou quelques fois comme ça. Mais de tous les jours, non. Moi c'est plutôt le nude qui prône. Et ce gloss, il rentre complètement dans ma collection. Je trouve qu'il se... il n'est pas collant quand on le met au niveau des lèvres. Il se voit, il ne brille pas non plus de mille feux. Voilà, on voit que vous avez quelque chose sur les lèvres, mais ça reste soft. Et ça, j'adore, parce qu'on peut forcer sur les yeux et mettre celui-ci. Et au niveau de l'équilibre de votre maquillage, c'est vraiment top. Donc, si vous vous êtes intéressé par des gloss The Balm, je vous conseille vraiment celui-ci. Le quatrième produit dont je vais vous parler est c'est un kit pour sourcils, enfin une poudre, juste une poudre pour sourcils qui se présente comme ça. Je suis toujours à la recherche du produit parfait pour mes sourcils parce que j'ai beaucoup de mal entre un crayon, entre une poudre, je ne sais pas quoi choisir. Donc je suis en phase de test avec ce produit. Pour l'instant, il me conquit complètement parce que il se fond avec mon sourcil, mais de façon parfaite. Il n'est pas trop foncé, mais il n'est pas non plus trop clair. Donc je trouve qu'en fait, le mélange entre les deux, il se fait super bien. C'est vrai que des fois, j'utilisais un fard à paupières kaki et il était nickel. Oui, kaki, ça peut paraître bizarre, mais essayez, c'est vraiment génialissime. Et celui-ci, j'adore. Je trouve que pour l'instant, j'en suis satisfaite. Après, je verrai sur le long terme
ce que ça donne. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est la palette Nude. Donc cette palette, c'est moi en fait. J'adore complètement. Au niveau des fards, vous avez des mats, des irisés, vous avez un petit peu de toutes les couleurs. Avec cette palette en fait, elle est à multiples facettes. Vous pouvez faire quelque chose de plutôt flashy, quelque chose de plutôt nude, quelque chose de plutôt intense pour une soirée. Et vraiment, c'est une palette qui est passe-partout et elle me correspond complètement. À l'intérieur, il y a un petit pinceau double, donc un côté plat, un côté biseauté. Donc concrètement, si vous avez oublié votre maquillage et vous emmenez que cette palette, vous pouvez faire l'affaire. En tout cas, cette palette, j'en suis conquise. Donc si vous recherchez une palette qui a dedans du irisé, du mat, du flashy, du nude, elle est faite pour vous, donc n'hésitez pas. Et voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous aimez la marque The Balm, n'hésitez pas à liker la vidéo ou alors à laisser un petit commentaire pour me dire quel est votre produit favori. En attendant les filles, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!